Alors, je m'appelle Dylan Bréjon, j'ai 22 ans. Ça va faire 14 ans que je fais de la boxe maintenant. J'ai commencé quand j'avais 8 ans, donc j'ai commencé en boxe éducative. J'ai été deux fois champion de France en éducative. Ensuite, j'ai été champion de France aussi en junior, en amateur. Et ensuite, deux titres de champion de France en senior. Et cette année, j'échoue en finale. Je perds contre Paulomba Biongolo, qui est maintenant qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc je suis satisfait de mon parcours. C'est, même si la défaite est toujours un peu amère, mais je me dis que je n'ai pas perdu contre n'importe qui, donc le bilan est positif. Prochain objectif, je compte, là je vais partir au mois de fin juin, je pars en Italie avec l'équipe de France. Normalement, il y a un stage de préparation, puis ensuite deux combats là-bas. Et ensuite, on verra cet été. Je vais réfléchir. Je vais voir pour essayer de boxer et d'être accepté dans une écurie en WSB, et qui est en gros une boxe semi-pro. On peut boxer et en professionnel et toujours rester en amateur. Et sinon, je vais réfléchir pour passer pro. Car en amateur, j'ai bientôt 45 combats. Je commence à avoir. J'ai fait le tour un peu, en quelque sorte. Et donc, voilà, j'ai envie de franchir encore une étape. Et la voie professionnelle m'intéresse.